Bonjour à tous et très bienvenue sur News Jardin TV, la chaîne qui déchaîne les passions pour les plantes, le jardin, le jardinage, la botanique et la nature. Et avec ma petite jardinière qui réalise les images de cette émission, nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce troisième numéro de notre émission Lecture Nature. Cette nouvelle publication de News Jardin TV est entièrement consacrée à la présentation de nouvelles publications, qu'il s'agisse de magazines ou d'ouvrages de librairie et qui traite de tous ces sujets qui nous passionnent, à savoir les plantes, le jardin, le jardinage, la botanique, la nature en général. Je vous rappelle que notre chaîne met à votre disposition plus de 1300 vidéos sur YouTube, et que chaque soir, nous vous proposons une nouvelle émission intitulée Le quotidien du jardin. Cette émission est laissée à l'entière disposition de l'ensemble du public pendant 24 heures, mais ensuite, pour bénéficier de toute cette collection, eh bien, il faut devenir membre de News Jardin TV le club. Surtout n'hésitez pas à adhérer parce que ainsi vous contribuerez à la pérennité de notre chaîne. Il y a une petite fenêtre rejoindre sur la page d'accueil en haut à droite de notre chaîne YouTube. Vous cliquez dessus et Google va ensuite vous indiquer toutes les modalités pour adhérer et c'est très simple. Dans cette émission Lecture Nature deux fois par mois, nous vous présentons une sélection de livres, de magazines, de revues paru récemment et susceptible bien sûr de vous intéresser pour ce troisième numéro avec nicole nous avons sélectionné six ouvrages que j'ai le plaisir maintenant de vous présenter et ils sont très différents nous allons commencer avec les anti sèches de terre vivante c'est une collection nouvelle originale dans laquelle il y a déjà plusieurs titres sur les légumes les ravageurs et maladies les fruits les petits fruits les aromatiques et là aujourd'hui on nous présente les travaux de saison et également reconnaître les plantules. Le concept est original dans la mesure où c'est déjà un tout petit format, vous voyez, ça tient très bien dans la main, que ça ressemble plutôt à un cahier à spirale et que l'on peut consulter recto-verso. Alors ça peut paraître pratique, en réalité, ça ne l'est pas toujours. Parce que par exemple, si vous prenez les travaux de saison, ce qui est bien fait d'ailleurs les travaux de saison, vous êtes ici par exemple du 16 au 31 mars, eh bien, pour avoir l'ensemble, il faut regarder devant et derrière. Et puis après, pour retrouver le, le début, pour tout classer, ben voilà, ce n'est pas toujours évident. Le deuxième sujet, reconnaître les plantules, est tout à fait original par son thème. Alors à quoi ça peut bien servir Eh bien, par exemple, si vous semez dans un massif ou au potager, au printemps, notamment, vous allez avoir des levées multiples. Et au moment de désherber, qu'est-ce que j'enlève Eh bien, l'intérêt, c'est d'avoir dans ce petit livre ou petit recueil, eh bien, la photo de la plantule qui correspond à la plante que vous avez semée. Comme ça, vous pouvez bien la repérer. Le texte, en revanche, n'est pas passionnant parce qu'il vous donne des généralités assez classiques sur l'ensemble de ces plantes. Mais je dirais que c'est plutôt bien fait. Et là, on n'a pas besoin d'aller devant derrière puisque c'est une plante par fiche donc je pense que le concept est intéressant on peut l'avoir toujours dans la poche c'est quand même pratique ça coûte pas trop cher 9,90 et c'est édité par Terre Vivante je vous ai déjà présenté dans les précédentes émissions des ouvrages de cette collection résilience de chez Ulmer et aujourd'hui on a l'incontournable Xavier Mathias qu'on a déjà présenté en long en large dans les précédentes émissions et qui nous fait un nouveau titre à savoir produire des légumes en hiver. Rien que le titre est assez original. En revanche, il faut bien dire qu'il n'est pas tout à fait exact. Parce que c'est pas cultiver des légumes pendant l'hiver, c'est produire des légumes pour l'hiver. Donc vous avez la culture de ces légumes, et après les moyens de les stocker, de les conserver, de façon à en profiter pendant toute la mauvaise saison. Xavier Mathias, maintenant vous le connaissez, c'est un maraîcher, permaculteur, très très centré sur la culture biologique, mais aussi un auteur extrêmement prolifique. Je voulais dire deux mots aussi sur l'originalité de cette collection Résilience, qui, non seulement par ses titres, se décale un petit peu, mais surtout par sa fabrication. Tout le papier utilisé à l'intérieur des livres est 100% à partir de fibres recyclées. Et puis les encres sont d'origine végétale. Donc il y a un côté éco-responsable qu'il faut quand même mettre en avant. Alors qu'y a-t-il dans ce livre Eh bien, il y a une quarantaine de légumes que vous pouvez cultiver de façon à avoir suffisamment de production pour vous nourrir pendant l'hiver. Et c'est ça tout son intérêt. Bien entendu, vous avez des illustrations et puis un texte qui est bien structuré et qui nous donne les informations nécessaires pour réussir. Le livre vaut 15,90 et il est édité par Ulmer. Voici un livre qui n'est pas 100% axé vers le jardin, loin sans faux, mais qui parle de passagers clandestins, je dirais du jardin, à savoir les chauves-souris. Lorsqu'on habite dans des régions rurales, il est extrêmement fréquent de voir des chauves-souris. Et ce sont des insectivores, des mammifères particulièrement utiles pour les jardiniers, parce qu'ils régulent... Les populations d'insectes. Alors, bien sûr, dans les insectes, il y en a des bons, mais aussi des mauvais, et surtout ceux qui vivent la nuit. Je voudrais dire deux mots sur l'auteur Laurent Tillion, qui a écrit précédemment, en 2021, un livre extraordinaire dont je vous avais parlé dans notre émission numéro 11, Bienvenue au jardin, et qui s'appelait Être un chêne. C'est quelqu'un qui est un forestier, un biologiste, ingénieur à l'Office national des forêts et un grand expert de l'écologie des chauves-souris. Mais c'est aussi un véritable auteur, quelqu'un qui a une belle plume, quelqu'un qui vous entraîne dans son univers et qui rend tout ce qu'il écrit extrêmement passionnant. Et c'est le cas notamment pour ce livre qui est très dense comme tous les ouvrages de cette collection et qui vous entraîne dans un monde un peu fantasmagorique. On est dans la nuit, on voit des animaux qui ont très mauvaise réputation pour la plupart, et ça totalement injustifié. Et grâce aux recherches que lui-même a menées, mais aussi des confrères, on apprend une multitude de choses sur les chauves-souris, et franchement, c'est passionnant. Ça se lit comme un roman. Vous avez l'impression de vivre une aventure, parce que c'est tellement bien décrit que vraiment ça vous entraîne dans cet univers. Et j'ai vraiment adoré. Il faut savoir que la France est particulièrement bien achalandée au niveau des chiroptères, c'est-à-dire l'ensemble de ces animaux qu'on appelle globalement les chauves-souris, puisque sur les 36 espèces européennes, on en accueille 34. Et puis ce sont des animaux très divers, parce que si on prend au niveau mondial, il y a 175 genres. Et plus de 1400 espèces. Donc vous voyez qu'il y a énormément, énormément, énormément à raconter sur les chauves-souris. Et je vous conseille la lecture de ce livre qui coûte 22 euros et qui est édité par Actes Sud. Voici un titre tout à fait original parce que je ne crois pas que l'on ait déjà traité spécifiquement sur les fruits qu'on ne connaît pas, on va dire. Il s'appelle Jujube, Pistachier et compagnie. Et il est écrit par Jean-Yves Maisonneuve, qui est un véritable expert du monde des fruits. Il en a vendu toute sa vie, et puis arrivé à un certain âge, il a décidé de consacrer avec sa femme Catherine, en Charente-Maritime, tout un jardin qu'il appelle le jardin de Pomone, aux fruits. Et dans ce livre, on va rencontrer plein de choses qui ne sont pas totalement communes. Alors, bien sûr, il y a des fruits qu'on connaît. Vous avez la groseille à macro, vous avez le cornouiller, vous avez le cognacier du Japon, vous avez le kiwi, le kiwai, enfin bon, il y a des choses connues. Il y a le goji aussi. Mais alors j'ai rencontré des trucs que je ne connaissais absolument pas. Est-ce que ça vous dit quelque chose Le raisin du chili, Aristotéléa chilensis, ou l'ovenia sucrée, ovenia dulcis. Alors, il y a aussi des fruits méditerranéens, il y a le feijoa, par exemple. Vous avez la jujube, bien entendu, la grenade, la pistache, la figue de barbarie, le néflier du Japon. Enfin, bon, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de fruits à découvrir et c'est bien fait. Vous avez une double page par fruit, il y a pas mal de photos parce que Jean-Yves Maisonneuve est aussi photographe. Et puis c'est structuré au niveau du texte, donc vous apprenez les choses essentielles sur tous ces fruits hauteur, période de floraison date de récolte, et puis aussi ben, un petit peu ses qualités alimentaires s'il y en a. Alors au vu de tout ça, ma question c'est est-ce que tous les fruits qui sont présentés par l'auteur sont vraiment savoureux Alors ça c'est une autre histoire, et par exemple, personnellement, je n'ai pas tellement envie de croquer les fruits de l'arbre à faisant, par exemple qui est dans le livre, le lecesteria formosa, ou le Gulfa, olboelia latifolia, la cornue du Japon comme cornus cousa, sont des plantes plutôt... Intéressante au niveau ornemental, mais là, l'automne nous fait découvrir une face cachée. Alors, on peut toujours tenter le coup, mais on n'en fera quand même pas notre ordinaire, je pense. En tous les cas, c'est un livre intéressant et je vous le recommande. Il vaut 16,95 euros et il est édité par Larousse. Voici un livre qui est assez magistral, mais qui est surtout pas réservé aux débutants ou à ceux qui voudraient se lancer dans la culture du bonsaï. L'art du bonsaï est surtout guide pratique et philosophique, son auteur qui s'appelle Léo Di Mario qui est un français installé à Grenoble qui a suivi les cours de maîtres japonais en la matière et qui aujourd'hui a une boutique qui s'appelle Jin Moku où il vend des bonsaï qu'il crée lui-même et il donne aussi des cours. Et bien là, il vous fait quelque chose qui est d'une densité colossale, c'est très intéressant quand on est branché bonsaï. Mais alors, il faut s'accrocher, parce que le livre est pas vraiment bien structuré. C'est ça qu'il faut dire. Tout y est, mais avec des détails incroyables. Mais ça manque d'illustration. Ou parfois, quand vous avez des dessins, on a l'impression que c'est des petites choses scolaires griffonnées comme ça. Ça manque de précision pour quelqu'un qui s'y connaît pas. Il faut faire des pages et des pages, lire tout, c'est quand même très 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 lourd. Donc je pense qu'il y a une erreur éditoriale, je dirais, c'est que ce livre-là, qui contient des informations vraiment passionnantes, détaillées, précises, techniques, mais mériterait une structure, mériterait aussi que les éléments qui sont indiqués soient systématiquement illustrés, parce que là on pourrait souffler un peu, alors que quand vous êtes dans le livre, waouh waouh, wow, le texte il est Vraiment très, 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 très complexe. Au final, donc, un très bon contenu, un résultat qui est quand même relativement décevant pour un livre qui coûte 25 euros et qui est édité par Ulmer. Et le coup de cœur de News Jardin TV ira à un livre qui va vous paraître un peu incongru, je pense, dans le cadre de notre chaîne qui est principalement consacrée à un monde terre-à-terre, terre. le jardin, le jardinage, les plantes. Et là, c'est « Regards croisés, requin et raies », mais j'avais envie de vous le montrer pour plusieurs raisons. D'abord parce que peut-être que vous ne le savez pas, mais avec ma petite femme Nicole, nous avons fait des infidélités au monde du jardin à une certaine époque en nous aventurant autour du monde et surtout sous la surface de la mer parce que nous avons été des journalistes, photographes plongeurs et nous avons même obtenu un très très gros succès de librairie avec un livre qui est sorti en 1990 qui s'appelle Le Tour du monde en 80 plongées que j'ai écrit et illustré avec mon compère Raymond Sahuquet, malheureusement décédé, et puis qui, depuis 1990, année où il a obtenu la Palme d'Or au Festival d'Antibes, donc le prix mondial du livre d'images sous-marines, eh bien ce livre a été réédité, 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 et les dernières éditions ont été en grande partie illustrées par un des deux auteurs de ce livre, Pascal Cobé. Quant à l'autre, François Sarano... C'est une légende quasiment, il a travaillé avec le commandant Cousteau, il était chef plongeur, c'est quelqu'un qui connaît sur le bout des doigts tout ce qui se passe sous la mer, et tous les deux avec Pascal qui est essentiellement photographe, ils ont participé à l'aventure du film Océan de Jacques Perrin, et c'est là qu'ils ont rencontré les yeux dans les yeux, comme ils disent dans l'ouvrage, le grand requin blanc. Il y a des photos extraordinaires, face à face. Sans cage, sans rien. Et bien entendu, il n'y a pas que le requin blanc, il y a tous les requins. Et c'est intéressant parce qu'ils vous racontent leurs aventures. C'est-à-dire que vous vivez avec eux la rencontre avec ces animaux qui sont des prédateurs. Et ces prédateurs sont dans leur milieu. Alors que nous, on vient simplement un peu les déranger. Donc le contact est toujours passionnant. C'est bien écrit. C'est pas long. Ça se lit facilement. Et bien sûr, les images sont extraordinaires parce que Pascal Cobé est un très grand photographe sous-marin. Il y a les petits requins, les gros requins, les méchants, les gentils. Et puis il y a les raies. Parce que les raies, qui sont très voisines au niveau classement zoologique des requins, sont des animaux aussi extrêmement intéressants. Je voulais faire cette dérive un petit peu, mais c'est un coup de cœur parce que c'est un livre exceptionnel par sa tenue. Ma critique ira quand même vers l'éditeur qui aurait pu utiliser un papier un petit peu plus raffiné pour mettre encore mieux en valeur les photos de Pascal. Parce que là, on est sur du mat, et puis ça manque aussi d'une couverture rigide pour en faire un trésor de bibliothèque comme il le mérite. Un livre qui est vendu 34,90 euros, qui est une bonne idée de cadeau et qui est édité par Delachaux et Niesley. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que cette présentation de livre vous aura intéressé. Je vous rappelle que notre émission Lecture Nature est publiée deux fois par mois. Au fur et à mesure des sorties des ouvrages, et nous nous retrouverons très prochainement sur News TV, bien sûr, pour de nouvelles aventures jardinières. Les livres restent des éléments magnifiques pour vous évader, pour vous entraîner à la découverte de choses que l'on ne peut pas avoir autrement. Alors n'hésitez pas, plongez-vous dans la lecture. Et on se retrouve très vite sur News TV, bien sûr.